Alayte, alayte. En fò denye mounite. Alayte, alayte. What is this? En fò denye mounite. He he. m'appelait m'appelais l'abbé cambru Aujourd'hui, c'est l'abbé Moni. Avant, j'étais très gentil et aujourd'hui, cadeau fini. Mon bonjour s'était cassé. Mon bonsoir, c'est Ngoma Boa et mon 1 le million. De glutathion, mon hein, hein c'est glutathion. L'hyposomane, mon hein, hein C'est le glutathion. Je m'appelais l'abbé Cambru Aujourd'hui, c'est Goma Boa. Avant, j'étais très gentil. Et aujourd'hui, cadeau fini. Mon bonjour, Goma Boa. Mon bonsoir, c'est TKC. Et mon 1 hein, hein, le glutathion. Liposomal, mon 1 hein, hein, le liposomal. De glutala, et mon 1 le glutathion. Ange, Manibila Tu racontes partout que je suis Ngoma Boa. Moi, moi, l'abbé Samé, Le fils de la TKC. Maître Mengonyang Bamba. Un vrai bâton, je vais te dire jaloux qui je suis vraiment. Je m'appelle l'abbé Cambru. Anti-Congos, sans complexe, respectueux, un bosseur j'ai les pieds sur terre. quand est capable, c'est pas le bébé bébé. Le totori, c'est pas le calambani. Me voici face à toi. Tu racontes partout que je suis criminel. Moi, l'abbé Cambru, l'enfant de Malébao, un vrai bâton. Je vais te dire, jaloux, qui je suis vraiment. Bon. Voilà, 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 voilà. Je m'appelais l'abbé Samé. Aujourd'hui, c'est un gomme à boire, avant j'étais très gentil, aujourd'hui, cadeau fini, dans les Mon bonjour, c'était cassé, mon bonsoir, c'est étudié, et mon hain hein, le glutation, l'hyposomane, mon hein, hein, le glutation. Hans, par la

Mais sans, on t'avait prévenu. Ndabi j'arrive, m'inscris là-bas. Tu entends, non? Je vais entrer en Ndabi Parce que je vois un peu comment, parce que c'est en train de polémiquer un peu de partout là. Vous pouvez demander à Andoulet elle est douala de Deido. Demandez-la que pendant l'Ongondo, les bassins ne participent pas à Ongondo. Les Bakoko ne participent pas à Ongondo. J'ai entendu une chienne là qui est venue dire que je suis Yabassien. Les Yabassiens sont quoi Les Yabassiens ne sont pas les savoirs. Je pose la question à la chienne là qui allait faire un commentaire en disant que l'abbé Samé n'est pas parenté avec Maleba Petit. Il est Yabassien. Les Yabassiens ne sont pas les ils ne sont pas les savoirs. Hum? Parce que s'il faut contenir votre hypothèse, je n'ai jamais caché mes origines. Hein? Parce que quand vous fouillez, c'est d'abord que... Vous Allez demander à ma co-épouse mon acte de naissance, n'est-ce pas Quand vous fouillez, c'est d'abord que j'étais Bamileke. Après, je ne suis plus Bamileke. Maintenant, vous avez su mes origines. Ma mère est Yabassienne de Ndokbanan. Ma mère, Yabassienne de Ndokbanan. Mon père est Bassa de Longas. Et Bakoko. Donc, je parle très bien Bakoko. Je parle très bien bassa. Je parle très bien le Yabassi parce que le Yabassi est un peu comme le Douala. Donc, un Yabassien peut très vite parler bassa hein? Il peut très vite parler Douala. c'est même pas compliqué pour lui. Et le Douala, j'entends parfaitement. Donc, quand vous venez là, vous sautez de votre bouche. Il n'est pas, il est Yabassien. Il est Yabassien. Il n'est pas le neveu de Maléba Allez encore bien fouiller. Parce que j'ai comme l'impression que ça vous intéresse bien mes origines. De toute façon, je suis Camerounais. C'est le plus important. D'accord Bon, que je sois même de, de l'Est, du Centre ou même du Nord, je suis Camerounais. Et je tiens à passer le message à M. Jean Lumessant que tu as engagé une compétition avec ceux de ta tribu. Ce n'est pas pour faire polémique ou alors pour blesser d'autres. Tu as engagé une guerre avec ceux de ta tribu. Tu connais très bien ta tribu. Parce que je ne sais pas pourquoi beaucoup de personnes. Euh, ça commence à faire un peu bizarre. Tu comprends et tu parles même le doigt là. Voilà. Bah, pas très très bien aussi. Hein. Bon. Bref. Tu as engagé une guerre avec ceux de ta tribu. Tu connais très bien que si c'était encore les doigts là. Tu sais que les doigts là c'est quand même un peuple qui n'aime pas trop la saleté. Ce n'est pas que faire la saleté les dépasser hein. Le doigt là connaît très bien faire le sapalandjo. Fais le sap oui, que le doigt là te fait le sapalangio surtout les doigts de Deido. Il te tape le sapalangio, tu restes comme ça, tu confirmes que oui, il connais ce sapalangio. Mais c'est juste que c'est un peuple. Donc au Cameroun, on a beaucoup mis les regards sur eux, donc ils se doivent de respecter une certaine éthique. Quand on parle du peuple Sawa, le doigt là se doit de garder une certaine éthique. Le Bakoko c'est quelqu'un de très discret chez les Sawa. Tout ce qui a trait avec le Mathieu, vu tout cela, non, lui, il est toujours en retrait et très intelligent. Tout le monde sait que le Bassa, c'est quelqu'un de très, très palabreux. Donc, tu es parti toucher ceux de ton propre village, ceux de ta propre ethnie. Tu vas combattre Jean-Luc Messan. Les mêmes vont se fatiguer. Messan, ton groupe et toi, vous allez combattre jusqu'à les mêmes vont entrer. Je te dis que si c'est pour toi, grand-père, s'il faut mettre ton âge de combat, 54 ans, pourtant 53 ans, pourtant ta dernière petite soeur a 53 ans. S'il faut même t'accorder l'âge-là, j'ai 50, j'ai 30 combien J'ai 31 ans. Dans 10 ans, j'aurai 41 ans. Tu auras quel âge On rajoute 20 ans, j'aurai 51 ans. Tu auras quel âge Mais sans, tu vas combattre jusqu'à les mains vont entrer. Je vois des gens qui spéculent un peu de partout. Tu sais, c'est une grosse honte pour toi. Hein? Tu as vu tout ce que tu as comploté contre nous. Dieu finit toujours par t'exposer. Tu es parti prendre l'handicapé, papa Eboki. Tu es vu... Pourquoi tu ne sors pas, mais Pourquoi tu ne viens pas combattre? Parce que nous on attendait, quand tu demandais aux gens que la justice va frapper, que tu ailles déposer la plainte, s'il y a une diffamation sur toi, tu n'es jamais allé déposer une plainte quelque part. Parce que tu sais pertinemment que tout ce qu'on raconte de toi, c'est la vérité. Ce n'est pas le mensonge. Tu as fait ça avec les autres ethnies là. Ils Et t'ont vu, ils ont dit qu'Akadi, dans sons le son fou. Tu es tombé sur ton ethnie. Tu es tombé sur le sang bassin. On va arriver en Dabikoko. Raymond Tienga a annoncé, non Tienga a annoncé qu'il arrive en Dabikoko. Il a donné à son argent à Maléba que dès que tu arrives, tu m'inscris en Dabikoko. Ils arrivent en Dabikoko. Et je te promets, Jean-Louis. Le mois prochain, j'entre en tabikoko. Jean-Lui Messan. Le mois prochain, j'entre en tabikoko. Comme tu as dit que Ngomabo ne peut pas, je vais me déplacer. Je vais te prouver que non. Je peux arriver quand je veux. C'est juste que je n'aime pas faire le bruit. Je suis un peu très discret. Je vais arriver en bain. Te rencontrer. Je vais entrer en Coco. Toi et moi, ça serait les boulanges là-bas. Si tu es sage. À partir du mois prochain, ne mets pas tes pieds à Andabikoko. Parce que je vais te calculer là-bas dedans. Ce n'est pas tes conneries que tu as fait avec Lolita la Baronne, tu as fait le Sicia. Je vais te provoquer. Tu connais que les Bassaba là. Tu connais qu'on connaît provoquer, non? Je vais te provoquer. Je vais te lancer les mots, tu vas réagir. J'entre à spécialement pour toi. Tu le, Dis que tu ne vas pas fuir parce qu'on t'a longtemps esquivé. Tu as cru que non, tout le monde t'a parlé, même ta propre personne d'Olemiondo t'a parlé, au point même où elle t'a apporté son soutien officiellement tu l'as pas écouté, tu n'écoutes personne. À la fin tu es venu sur la toile, comme tu dis que tu écoutes les conseils, tu n'écoutes aucun conseil. Tu es quelqu'un qui n'aime pas écouter les conseils. Tu es venu sur la toile l'insulter. Dis comment est-ce qu'elle est grosse, comment est-ce qu'une personne qui n'a pas toute sa tête ne peut pas venir te parler. Pour toi, tout le monde n'a pas toute sa tête. Tu es le seul sur Facebook à avoir toute sa tête, mais tu te décapes la peau. Un homme qui a l'aimabère comme une femme, tu es le seul homme sur Facebook, le seul bassin qui a l'aimabère comme une femme. Je sais que les papas bassins, ils avaient le gros vent, mais ils n'avaient pas les signes. Tu ne sais pas si tu prenais les hormones quand tu étais jeune. Hein? Je ne sais pas. Je me pose bien les que Regarde le t-shirt. Comme tu es toujours en train de porter les pantalons tendan Avec les les, 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 les tchoudachous. Pantalon, pantalon, serre-moi les cuisses, lâche-moi les pieds. Tu es toujours en train de porter les tendan Wendem hum? Wende moumi, oben déjà ma bête kamuto. Oh oh Est-ce que Wende Ah, oh, jean oh. lui. Est-ce que Wende Moto, oh, Oti oh. mouto Hein ben, Mabé, tu as les seins. Mais c'est toi qui viens, tu ouvres ta gueule. On te voit comment tu insultes le physique des gens. Pourtant, toi-même, tu n'es pas beau. Arrête de te convaincre. Tu n'es pas beau. Tu n'as pas tu as le, le visage comme tu qui. Je te dis alors que mademoiselle, me sang. Parce que entre ta gogole là que tu appelles épouse, parce que j'ai appris que quand on s'attaque à ton épouse, tu réagis. Je vais donc m'attaquer à ta gogole d'épouse. Oui, oui, oui. Parce que tu dit que pour toi, elle va te pousser à bout. Je vais te pousser à bout. Pas tes conneries là que tu es parti payer ton gang là pour venir m'intimider, qui vont me faire passer. Le tout, si tu vas leur faire ça. J'ai l'âge de partir, non, mais ça. Ma mère, où Madame Songay, où Elle est dans la tombe, non. Monsieur Songay, où Mon père est mort, ça fait 10 ans. Ma mère est morte, ça fait 3 ans. Donc, je trouve que j'ai l'âge d'aller prendre mes parents dans la tombe. Donc, mumi. onyolanje obe nu mabe kamuto onyolanje amumi onyolanje obe nu mabe kamuto dibinjirawo ngɔ wende ka dibinjirawo si onyolanje obe nu lopo ka dibinjirawo si apapa amẹsango onyolanje wa pɔngɔ nde mina minani ka 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 ngɔndeles ɛn onyolanje wa pɔngɔ nde mina minani ka ka ka, ka ngɔndeles eh? o ti ngɔndeles. Eh? wende momi mu, amomi oben mabe kegate tuame mton tshit omba omboa te tshit longo oben mabe eh? e momi ayeben mabe duso te sen oyola nje oben mabe kamuto we apapa apapa Comme tu peux, comme tu penses que tu, c'est pour ça que tu peux que t'apprendre aux enfin, Parce que quand tu te mets sur la glace, tu vois comment est-ce que tu as développé les seins et tout ça, là. Tu vois, tu te fais un peu un genre, quoi. Tu te compares de l'aime Nyondo, Maliba Perpetu, Gluta cosmétique Parce que, ben, bah, ça pousse quand même. Les seins ont, je, je peux pas me le mentir, quand même. Les seins ont quand même poussé. Ça montre que ma belle ma belle Comment on appelle encore le lait? On appelle même le lait ça Comment? Ouais, à ah, Andoala, comment? Comment j'oublie?

Je vous ai toujours dit cela que maman mes copines intellectuelles ça va. quand je pense que j'ai fréquenté mes copines intellectuelles ça va. oh oh merci mes copines intellectuelles ça ma belle ma belle miliki ouais amoumi 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 oh belle ma belle ma belle go, ma belle miliki ouais mummy Ayomu <speaking> mii, <in> ayomu nae, <the> ayomu mii, ayomu nae. Amu na seba, 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 seba yolo seba, seba yolo seba. Amade ma zebesang seba, seba yolo seba. Amu mama yolo vanye vanye bamboi wandon deji, vanye vanye bamboi wandon deji. Amu lam seba, Sema seba, seba yolo seba, seba yolo seba. Amu kosa seba, amu kosa mama.

na nyonde nde majiwa muloloko ayo ayo hangomaboa nyo nanyo nde majiba, mamu Ayu. Ayu, mabuwa, nyon. na majiba mamu Ayu, ma muloloko ayo mamajiba ma muloloko madoji we ate we hango maboa we nde bota klasi wende ng'oda klasi hango maboa we nde oda klasi ate ayo ayoe <laughs> <laughs> <coughs> Je suis une fille de Deido et hey. je n'ai Deido. J'ai grandi à Deido, je suis Marko à Deido. J'ai grandi à je suis Marc à côté de la maison de ma Nicole Il y avait une maman là qui s'appelait Marc j'ai grandi là-bas. Marc m'a formé. Hey. Je suis le petit-fils de Marko Eddy, Marc Eddy m'a formé. Maman Marko Eddy aimait trop se transformer en souris pour ranger mes pieds. Trop. C'est Marc qui m'a montré comment est-ce qu'on tape le dicalo. Quand quelqu'un te dérange, tu tapes le dicalo. Jap wisa che ma akwedi. Ayo moun kousa. Wisa <laughs> nou moun akwanda nje. Ayo nou moun atila nje. Ayo manke. Chupa me chayo. Ayo, ayo, eh. ayo moun kolege. Ayo chikom lam. Ate a chikom lam. <laughs> ajikom lam mabele nde christiamnakowe nde dikom ayodikom yodikom lam toosavietiwo ajikom aikom son wanamaposition position longoyendewe ayoikom lm ayoikom lam ayoikom die gontuma vie cmlociclis Tiens t'en rends compte, mais pas tes conneries que tu dis là que mets le cycliste parce que j'ai confiance en Amélie, elle va vous toucher vous deux, non Je dis que sans Amélie va vous toucher. Tiens, comme tu as les seins comme une femme. Bon, je dis que maman Amélie, tu me rentres avec un cinq gauche de Jean-Luc Mesenges. Tu arrêtes de cinq là comme ça là. Tu, tu rentres avec ça Nantes. Je dis que tu m'arrêtes son cinq gauche. Tu me rentres avec le trophée là Nantes. Si tu es un homme, mets tes pieds là-bas en coco. Tu vas en cham. Tu Et personne ne sait pas. On va tracer le cercle. On met la chicote. Elle va te taper, elle mon vous chicote. Et vous. Venez avec nos baskets, s'il vous plaît, parce que j'allais oublier ça. Là, je suis sérieux. S'il vous plaît, venez avec nos baskets. Parce que non, on ne peut pas vous offrir des cadeaux et tout et tout. Et vous décidez de les confisquer. Donc, venez avec nos baskets et nos lunettes de soleil, s'il vous plaît. Faudrait pas avoir honte. Le père, la mère, la mère, le père, la mère, le père. Venez avec nos baskets. Ouais. Tu as dit que l'homme au visage est fléché non. nous. me, camé en bon, ouais. En dormissant. Mais a me, camé en wang, ouais, qui me sois. A me, camé en couille, ouais. Nore, a moulom. Pom moulom kiwe, yo moulome. Eh. Yo moulome, eh. yo pom moulom. Tabe moulom. Men, mwen yi, mwen, 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 mwen. Mwen yi blan wè, djep djep yi Facebook. Un ditin dire kimbu bebi. Un gil ba djep djep yi Facebook. Hmm? Nyenle men kuyen mouren, la kuyen mouren. Eh? Eske pom be yon, un pa maleb. Maleb man pa mama bemou.

Quand il vous dit que le père, c'est à peur, mais sans c'est un peureux mal. Demandez-nous, on va vous dire. Mais sans que c'est quelqu'un qui a peur très mal. C'est un homme qui n'aime pas le choc, il ne connaît pas le corps à corps, il a peur. Il faut voir quand on est intimidait ici là sur Facebook. Il appelait ma Pépé, tu vois comment il tremblait. Il appelait. Oui, Pépé, tu. Il faut, il faut annoncer quand tu vas faire ton live. Que le chemin, il y a les caméras partout. Il y a les caméras. C'est un peureux. Peu Ce n'est pas un homme. Ce n'est pas un homme. C'est un peureux. Peu C'est quelqu'un qui n'a. Il n'a aucune fibre bassin, lui. Aucune. C'est un peureux. Peu Ce n'est pas comme moi que j'avais choqué, mon frère. Le, le bandit est venu devant moi comme ça avec le couteau. J'ai dit que j'ai choqué. Mof. Oh. Euh. Je dis que le gars est venu dire que je vais être agressé, il a sorti le couteau, il a dit que je n'avais pas peur du couteau. Moi, j'avais ma part à côté. J'ai mis chac à l'œil. Ça a pris l'œil, sa part m'a pris le doigt. Quand il m'a blessé, il a que j'ai mis ma part à l'œil, Est-ce que moi, j'ai peur du, 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 du choc C'est un homme qui a peur du choc. Sa seule bagarre qu'il a pu faire en diaspora, c'est avec Lolita Labaro. Lolita a à l'a tapé aller et retour. Il criait comme un chien. Je vais la mettre de la malaria. Je vais la mettre dans la main. L'homme ne parle pas beaucoup, il agit. Oh, laisse moi laisse moi pas mal Pama, Lolita. Pama a pris la bouteille, a cassé ça sur la tête de Dunjang sans que. Poum! Elle a dit que viens et t'attends. On m'a donné toute l'exclusivité de votre bagarre au restaurant, là. Il a dit que Pama est à maîtriser. Mon comme elle est toujours là, la gogole. saki teeakamea nobebe bbebbeb tomatilayatila jun kembeyomam amuankaale basiblego ntuma yosilin ngo mabôa nyele habankebindamba ikete yindi ke yibi mabel mulu malaana we og angontumaango ntuma nyoksilin memenkale yibi mabel malaana we Habankbundndamba kere gwe ndamba e tababellongge vinci na bi sifilis binci na konssipasi habankbunndamba a mukana a murakana o leban se weengo tumak seli mme habank bundamba keregwepa mura kana yibi mabel bala a na we a murakana yiwi mabelo yime mabel nyule mura a muda yoki je yi ndi iura mura je habanki yndi murandabeonge. Moura an chebe yinti moura an goun touman yonksilin. An goun maksilin. An goun maksilin goun touman me e jihaban kibiyindi a. Jihaban kibiyindi. Haban kibindan ba kere gweb. Yimi mabel an goun touman. An goun touman goun mali goun goun me e kawe. Ya lo kanser de literis an goun touman. Yimi mabel me sanga fewe. Yole we meron yile yonma ye, tiyo ye, yon diri malep a ye sura we ya. To yon mpambe nyo. to yom pambe nyoo ale abod leatnda bale ab leantenda antenda ndik maleb ni male pombe y yo ndikmalnmaanu matabeoke amarad ayee man bode man bodel ayiki aye mulume yman sapaa ode man bodel aomba bôrna facebook la ye murdum ata be murdum aye kembel yoma dum yoma Tu peux passer par Eboa pour porter plainte à ta Pourquoi tu ne pas porter plainte à ma pépé ouais. hein? Ça t'a dépassé, non Un homme que le corps d'un homme renferme tous les partis d'opposition. C'est quoi oh, 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 tu as le RDPC. Tu as le MSC papa. Tu combats le RDPC. Et il faut voir comment tu nous regardes souvent comme Paul bien regarde John Fungi. Oh, 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 Andor Messang. Hein Moulom en hob, en hob, en hob, en irba, vert, rouge, jaune, Le quoi est devenu comme les partis d'opposition? Y a endormé ça. Andormé ça. Ça, mais c'est le futur mari de quoi? Je ne comprends pas. Je ne vois pas ce qu'il y a passé. Eh, endormé ça. Andormé ça. Oui, n'allez rien que Tu mettais les boucles, non? Tu mettais les boucles quand tu étais avec les, les diponses. Hum. Mm. Aboton de bébassi. Andolem Yondo, quand il était avec les diponses. Aboton de bébassi. chérie, pardon, arrête. Arrête. N'y'lai aïe mec viril. John Campbell, yoma. N'y'lai Brad Pitt. Brad Pitt de il est doom. T'avais Brad Pitt. est doom. Hum. Mm? est doom, yoma. Ah, bah, qui? Ah, bah, all star. Ya yeah.

Mm, apongo nde minaminaninka ao ajikomlam ajikmlam ajikomlam mabele nde jeanlesan i iikmlam mabele nde jeanlimesang ate momi apongo nde minaminaninka kamuto ate apongo nde minaminaninka kamuto tyoamadi mazemeama mazemesa oben minat w jikom mwanaje mabotodeje sekel make de jogin sa sekel make se ecrivain pelenodelamba sekelmak y ma aot te llsta y y ecokota dros ye ai cocota drasi ate bona bona zesiine dam bona zesi ne dam tine priin fam tie nom arete sa arete moi sa tine pein fam ti nnom asime toi o euh, mamale mang ndibelo o dikom o o dicom weke ate mb J'étais en train de parler, j'étais de 10 ans. Aïe, mes copines intellectuelles, vous êtes là, maman. Aïe, mes collègues intellectuels. Aïe, mes collègues intellectuels. Ouais. Aïe, mes collègues intellectuels. Aïe, mes collègues intellectuels. intellectuel. Euh, ça, ça quoi le jogging fila? Ah ben, ça s'appelle quoi le jogging fila, baba? Ouais, je dis que hein, ça, c'est une honte. Hein. Henri, mais c'est pas, pas drôle. Hein. Henri, c'est pas drôle. C'est une grosse honte. Quand tu as ce genre d'aîné qui se comporte comme ça, tu te poses plusieurs questions. Oh, mes condoléances ne se pas. C'est vrai, j'ai vu un post ce matin que tu as fait. Oh là là. Mes condoléances ne se pas. Vraiment, merci Mbomambo, plutôt de m'avoir appelé. Franchement, mes, mes sincères condoléances à cet homme que tu as perdu. Je ne sais pas euh, si c'était ton frère, ton cousin, mais peu importe la personne. Proche à toi, mes sincères condoléances. J'étais de distance. Hein? Ah te, Juanandier, Christian de Monaco, tu étais de distance. Aïe, maman, ma collègue intellectuelle, maman Christian de Monaco, maman ma collègue intellectuelle. C'est entre nous, hein. Ben oui, c'est entre nous les collègues intellectuels, maman. Aïe, j'étais de distance. Ah tu vois une là qui a l'âme, ben maman. Maman, c'est tous les doigts là des Deido. Maman, moi les appelle que les sawa lambo. Maman, quand tu as eu des Deido, maman qui a fait pareil? Ah Atte, quand elle arrive là. Oh là là. Mais oui, y a une dite, ça fait beaucoup chaud là. Ouais, il oui, y a une dite, ça fait beaucoup chaud. Ouh, voilà oh, là 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 là. Ah ben, l'idée de l'angouyaouana, j'étais de 10 ans, c'est que. <laughs> maman, quand tu vas là, dis-moi, ok. <laughs> maman, monte un peu le porte-monnaie, il n'y a que 2600. <laughs> <laughs> maman, maman, mes frères, ça va des dégoûts. Maman avait les wouké. Les gens là aiment les wouké dans le nord. <laughs>

mbana na pongo nde frionne légér ao catiariva je matatekéte maria avec un monsieur doila aded ce la sœur de ma grandmre magrandmakéte mari ded mama casebelsefene a onede langa a Elle <laughs> dit que tu Aïe, <fais> voilà. <laughs> on appelle ça des frionnés. de la rue, c'était frionné léger. Et ça sort, tu passes à côté. <métis> Aïe, à mon <métis> <métis> <laughs> <À papa. rire> Oh, les anciens bégis. Ouais. ouais, bon, revenons sur le sujet. Mais Sang, je sais pas les qui te conseille, mais tu as un gros problème. Tu as un gros problème dans le sens où j'ai très vite détecté ton problème. Tu n'es pas un psychopathe, tu es un sociopathe. Tu es un sociopathe, tu n'es pas un psychopathe. Toutes tes agitations le démontrent suffisamment. Que tu souffres de sociopathie. Ta vie, c'est Facebook. Ta vie, c'est le paraître du virtuel. Tu n'as pas une autre vie en dehors de cette vie. Et c'est vraiment dommage. Hein? C'est dommage. Parce que regarde où tu es en train de t'enfoncer au fur et à mesure que tu. Tu fais des coups bas, tu t'enfonces. Ça montre que Dieu n'est pas avec toi. Dieu n'est pas avec toi, Jean-Louis. Regarde comment tu avais planifié ma bastonnade. Dieu a mis ça à terre. Tu es retourné. Tu es allé au Cameroun. Mettre les idées dans la tête d'un handicapé. Ça s'est retourné encore contre toi. Il te faut combien de tentatives pour que tu comprennes et que tu apprennes de tes erreurs Il t'en faut combien Je trouve quand même qu'après plus de, tu es sur les réseaux sociaux, Jean-Louis. Ça fait au moins plus de douze ans que tu es sur les réseaux. En douze ans, tu n'as jamais rien produit que ce que tu produis actuellement là. Ta mode, ton mode de, de fabrication, c'est ça. C'est désolant en fait. C'est ridicule, c'est minable. Tu n'as jamais rien produit, rien. Maman je suis entré, il a encore sorti. Les abeilles, ce n'est pas votre débat. Hein. Reposez-vous, je reviens sur vos quand ils sont là. Vous n'avez pas vu. Je vous avez dit que il n'y a plus d'abeilles. Il hmm? n'y a plus. Il n'y a plus. Il n'y a plus les stratèges, les intellectuels. Donc reposez-vous. Vous avez vu qu'en trois jours, j'ai mis le club de Sola de Mbopiaté Vous avez vu non? Vous n'avez pas assisté qu'en trois jours, j'ai mis le club des soldats de, de Bopiaté. En deux jours, Nancy Kento qui clashait pendant près de neuf mois qu'elle était maléba En espace de trois heures de temps, j'ai mis que Nancy K.O. K.O. avait les plus à l'appui. C'est donc quand je décide de me concentrer sur quelqu'un, je prends le maximum d'efforts, de mesurer tous les paramètres. Ça fait que quand je sors, je ne sors pas bêtement. Donc, ne, ne fuyez pas. Nous sommes toujours cousins et cousines, non mmh, Les abeilles chou, c'est votre tata Samuelette, votre coépouse. Nous sommes toujours cousins et cousines, ou pas mmh, Les abeilles, nous sommes toujours cousins et cousines, ou pas <laughs> Bref, c'est pas votre débat. Mais je trouve que les gens devraient vraiment s'indigner. Honnêtement, les gens devraient s'indigner parce que tu l'as fait avec Patricia Mel. Jean encore les voices cela dans mes téléphones, hein. Quand tu me disais qu'il ne faut plus l'appeler Patricia, mais il faut l'appeler euh, Bélémec, ou c'est le nom de son mari, c'est son nom, il faut l'appeler Bélémec, et que son mari s'appelle tant, 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 tu m'as envoyé les informations d'elle, etc., etc., que quand je vais m'asseoir, il faut que je bombarde avec ces informations. Tu l'as fait pareil avec Angoula. Tu m'as envoyé des informations qui ne sont pas vérifiables sur Facebook. Hein. Je ne sais pas comment tu les as obtenues. Tu me les as envoyées. Tu as fait la même chose avec Lolita la baronne. Jusqu'à creuser le nom de son mari. Vu que je n'ai pas fait le travail. Tant que tu es venu sur, sur les réseaux sociaux faire le travail. Appeler le nom de son mari. Et quand quand même j'ai décidé d'apporter un, un certain soutien farfelu. Tu m'en as envoyé des informations de mail, Je ne les ai jamais utilisées. Dans ton mode de, ton mode de fonctionnement, Jean-Louis. On maîtrise. Et c'est fatigant. Je t'assure. Je te dis. Parfois tu sais. Quand tu dis que les gens t'ont conseillé, personne ne t'a conseillé en fait. Je vais te dire, c'est que en déçant, tu t'es rendu compte que tu as perdu. Tu as réfléchi comment est-ce que tu vas retourner la situation Tu n'as pas pu. Je suis resté coriace. Et là comme tu ne peux, tu n'as pas d'arguments. Tu as décidé de fuir. Et j'avais bien prédit ça. Je te l'avais prédit, non, Jean-Louis. J'avais prédit que tu vas venir sur les réseaux, tu vas faire pareil. Tu vas dire, oh, je quitte, derrière, mais de, je quitte devant, mais derrière, tu vas travailler. Et c'est ce que tu passais le temps à faire. Jusqu'au moment où je détecte ton circuit de travail. Et tu décides de maintenant que je ressors. Parce qu'en bac-bac, tu travaillais. Et tu te rendais compte que ça n'allait pas très bien, comme tu, comme tu le souhaitais. Mais tu t'es vanté parce que tu es encore ressorti, tu es encore tout gâté. Tu as tout gâté jusqu'au point au jour d'aujourd'hui, les gens se rient de toi. Je te dis qu'un message, si tu veux faire un sondage, demande à tes internautes que est-ce que cette situation, qu'est-ce que vous en pensez. Ils vont te dire que non, seulement ils, te rient, ils se rient de toi, ils se rient de nous. Et ils vont te dire que nous, nous rions même plus de toi parce que en fait, c'est toi-même l'abruti même. Ils se rient de nous deux. Mais encore plus de toi, Jean-Louis. C'est minable. Si l'handicapé avait même raison sur si Mama Perpé et l'enfermait au Cameroun, tu allais gagner quoi? Parce que je rappelle que ma tante, il y a de cela neuf ans en arrière, n'est plus la même aujourd'hui. Au jour d'aujourd'hui, avec ses nombreuses interventions chirurgicales, elle a l'attention et tout ce que nous voyons en longueur de temps. Imagine-toi un peu un moment donné que cet handicapé-là avait raison et que ma tante était quand même transférée parce que tu t'attendais qu'elle allait être transférée à la prison centrale de Kondengi. Jean-Louis, tu allais gagner quoi Et qu'arrivée à la prison centrale de Kondengi, elle souffre d'hypertension. Elle n'a pas son traitement avec elle. Et le pire arrivait. Parce que quand tu fais tes conséquences, tu ne tiens pas compte du pire. Et le pire arrivait. Tu allais justifier l'autre la comment Ah oui, je vois déjà comme tu l'as fait avec Lambert. Tu as pris toute la faute, tu as mis sur Zwandon. Et tu t'es fait passer pour l'ange Gabriel. Mais l'histoire retiendra que c'est toi qui as pris l'âme de Lambert. Parce que pour quelqu'un qui souffre, qui est malade, tu n'aurais jamais accepté qu'il intervienne dans ton life. Regarde par exemple le cas entre Prestige, la classe et... La salope de Quinto. J'avais le choix de mettre encore plus le couteau dans la plaie. Je, le live que j'ai lancé hier, je pouvais faire intervenir Prestige à classe et qu'elle démontre à quel point Quinto est une grosse menteuse mythomane. Je ne l'ai pas fait parce que j'ai estimé qu'elle a déjà eu sa dose. Mais comme tu penses toujours, parce qu'il ne sait pas qui te ment en fait, qui te fait croire que tu as raison. Qui te fait croire que tu as raison? Tu n'auras aucun regret parce que tu l'as fait avec Lambert. Tu n'as eu aucun regret. Tu as pris tes phrases que tu as mis sur Zwandong. Et par la fin quand même tu es venu. Tu as dit oui, il y a un pépale qui est sur pied. Venez m'aider. On va l'enterrer notre frère. C'est tellement douloureux. C'est tellement triste. Tant tu étais celui qui avait pris la monétisation, tu t'es assis dessus, tu as mangé la monétisation sur le nom de l'Ambé. Tu n'es pas sincère, mais sans. Voilà pourquoi je dis encore à ces gens qui sont tout autour de toi que tu ne les aimes pas. Tu les utilises. Parce que si ces gens étaient seulement un peu intelligents, ils devaient se poser la question que Samé n'avait que 26 ans quand il a fait la rencontre de ce monsieur. Jean-Louis, tu m'as amené où Parce que j'ai appris dans tes lives que tu dis que tu voulais nous amener en haut. Ma tante et moi, tu nous as amenés où Moi, je suis toujours marocain. 26, 27, 28, 29, 30, 31. Voilà 6 ans, Jean-Louis. Je suis toujours au Maroc. J'ai terminé mes études. Même pendant que je faisais mes études, tu pouvais même chercher une université là-bas, tu me dis, ben voilà un projet ou alors il y a un travail, il y a une demande de travail ici en Allemagne et tout ça. Viens postuler. Je t'envoie mon CV, je postule, tu essaies de bousculer, tu l'as jamais fait. Ma propre tante était en euros. Vous avez assisté, c'est à l'humiliation de ma tante. Quand elle est quittée, elle s'est retrouvée dans la rue. Jean-Louis, tu étais où? Mais tu as quand même pris ton audio avec fieté. Tu as mis qu'elle demandait que 50 euros. Mais te demander 50 euros parce que c'est ton niveau. Jean-Louis, si ma tante s'est permise de te demander 50 euros, c'est parce que c'est ton niveau. Et que ton niveau le dépasse, montre-moi un transfert que tu as fait à ma tante de 1000 ou 2000 euros. Je me déconnecte de Facebook ou même de 500 euros. Montre un seul transfert, Jean-Louis Messang, que tu as fait à ma tante seulement même de 500 ou même de 300 euros. Je me déconnecte de Facebook ça sait pertinemment que ton niveau c'est 50 euros, c'est 100 euros, tu ne dépasses pas, tu ne débordes pas. Donc elle se permet quand même de te dire que mon grand frère, 50 euros, parce qu'elle sait que c'est ton niveau, tu ne peux pas aller au-delà, tu n'en as pas. Tu es venu encore te justifier ici en disant comment est-ce que tu payais, si tu payais ça, tu payais tout. En même temps, je prends Dolem Miondo qui est allé au Cameroun, je ne sais pas où est-ce qu'elle est mais je sais au moins ce que là où elle est logé. les charges de Ndoula Miondo étaient salées quand elle est allée au Cameroun. Je le sais. Mais quelqu'un, tu dors dans un hôtel 5 étoiles. Tu nous montres la facture arrive que tu dis que tu as payé 5 nuits dans, une, dans un hôtel 5 étoiles. Tu payes 88 euros. Pour 5 jours, tu payes 88 euros. Attendez un peu. Quel hôtel 5 étoiles coûte 88 euros? La nuit, elle est 5 jours. Hein. Tu payes 5 jours de nuit d'hôtel. Même si on dit que oui, tu as une, une mutuelle qui couvre les charges de tes voyages et autres. Mais tu nous as montré que tu nous as fait comprendre que c'était les factures payées. Pourtant, les réservations d'hôtel, tout le monde fait les réservations d'hôtel. Je dors qu'il est quelle heure ici là Regarde, toi toi d'abord, Brigitte Pierrette. Tu es d'abord une sorcière. Il faut que je te dise ça. Tu es d'abord une sorcière. Donc quand ton djengou te dérange là, que tu as ton djengou là qui te dérange. Quand es un djengou de la sorcellerie que tu fais là te dérange, tu viens mettre ta sorcellerie sur moi. Maman, pardon, travaille. Je te rappelle que tes égaux vont s'aligner à Western Union. Ils font les dépôts d'argent. Depuis que je te connais, tu m'as déjà même donné quoi? Tu m'as déjà amené à Paris. Tu m'as déjà amené à New York. Tu vas me dire me m'amener ou pourquoi tu viens me dire que ma personne, tu ne dors pas. Je demande. On discute l'homme ensemble. Quand je vais dormir là, c'est toi qui vas venir rester derrière mon dos pour me gratter le dos, mamie. Euh, femme là. Laisse-moi continuer mon sujet avec ma collègue, mademoiselle Messang. Pardon. Tu es venu nous montrer les réservations. Tu nous as dit que c'était des factures. Je suis au travail. D'accord, ma personne. D'accord, désiré. Tu nous as dit que c'était les factures payées cinq nuits dans, une, dans un hôtel cinq étoiles. Tu as sauté, tu nous as fait comprendre que tu allais nous montrer. Écoutez très bien, hein. je vais vous montrer ce que je gagne. Et tu nous avais dit il y a de cela deux mois déjà que les, 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 encore quoi, les déclarations d'impôts ne sont pas encore sorties. Pourtant, les déclarations d'impôts sont déjà sorties depuis. Mais comme tu n'étais pas encore passé... Pour truquer les déclarations d'impôt. Parce que ce que tu nous avais mis, moi j'ai toujours des déclarations de fiches d'imposition là. Voilà pourquoi j'attendais tes déclarations que ça sorte. Je m'adresse à Désiré. De... Maman, j'ai alors compris. Pardon, excuse-moi, maman. J'ai attendu que tu nous mettes tes déclarations pour venir comparer ce que tu nous avais mis il y a de cela quelques années en arrière, où tu insultais. Natacha de Monaco en la traitant de Waka. Tu oublies que ta femme a fait ce, le vieux métier du monde parce qu'il y a les témoins à la pluie qui sont prêts à certifier. Ta femme a fait le plus vieux métier du monde que tu connais là. Mais tu t'es quand même permis, que jusqu'à présent, il savait qu'elle continue toujours. Tu t'es quand même permis de dire que tu n'as aucune considération pour une Waka. C'est ta propre femme que tu es en train d'insulter. C'est ta propre femme. Je t'ai fait écouter un audio que tu as changé avec, que tu as manqué. Manqué, qui se retrouve quand même dehors. Tu penses que qui a mis cet audio dehors Parce que si tu avais ton téléphone H24, qui a pris l'audio là, il nous a envoyé Je te dis que c'est Ngontouma parce que Ngontouma est fatigué de toi. Ngontouma Ngoxéline est fatigué de toi. Coucou Valonche. Tu n'étais pas arrêté là avec tes mensonges. On te demande le test de dépistage de Ngontouma parce que tu sais que ce qu'on dit est vrai. Tu sais que ce qu'on est de demander est vrai. Ngoza t'a demandé que va dire à d'aller faire ces tests. Et que toi, tu ailles faire les tests d'ADN. Elle se déconnecte, elle te demande pardon et fuit. Tu sais que ce que a dit tient la route, non Mais toi, l'homme, c'est toi qui cours, qui pars faire tes tests. Tu viens nous ramener. Et quand les docteurs oublient que sur Facebook, tout le monde n'est pas abruti. Dès qu'on a examiné, on s'est rendu compte qu'il y a des maladies très graves qui te guettent. J'espère que tu es retourné chez ton médecin et tu lui as fait comprendre la chose. Il t'a certifié que ce que je te dis est vrai. Tu as fait fin de citation. Tu as tourné le débat. Tu es parti maintenant te mettre avec euh, l'handicapé. Après l'handicapé, quelle est l'autre chose que tu vas nous servir? Jean-Louis, après avoir fait tout le tour là, après avoir même exhumé les morts, les éternel mon berger, bonsoir. Quelle est l'autre? Enfin, C'est la question que les gens se posent. La prochaine, le prochain mensonge, qu'est-ce que tu vas servir? Le prochain ridicule, tu vas nous servir quoi comme ridicule? C'est la question que les gens se posent. Quel est le prochain ridicule que tu vas servir Le monsieur que tu montrais que tu étais, tu étais, que tu montrais que c'était ta entreprise et tout ça, est allé te déposer une plainte. Pourquoi aujourd'hui on se rend compte que de banquiers ah, c'est encore pas le nom de son entreprise là où il livre que tu es livreur Tu ne vois pas comment est-ce que tu te ridiculises de jour en jour. Les qui te de... parce que moi je sais que les 3000 personnes qui sont connectées, tu as boosté ta page Facebook. Je le sais avec certitude. Que, voilà. DPD. Que c'est là-bas que tu travailles. En tant que coursier. Des DPD. Et que quand tu vas au travail, voilà pourquoi quand tu es venu me dire que je t'ai mis mes, les preuves à l'appui. Je t'ai mis ma photo. Le jour où je recevais mon diplôme, je t'ai tout mis. Tu n'as même pas été capable de me montrer ta tenue de service. Tu n'as pas été capable. Hein? Parce qu'il n'y a pas de honte. Hein? Tu n'as pas été capable de montrer ta tenue de service. Pourtant, ta tenue de service, j'ai ça dans mon téléphone. J'ai ta tenue de service, comment est-ce que tu te camoufles comme un inspecteur gadget de peur de te faire remarquer Et que tu penses quand même que quand tu vas nous montrer une déclaration de ton, ton bulletin de salaire où tu gagnes 3 000 francs suisses, ça va nous impressionner. Connaissant un peu le train de vie que tu as. Quand tu vas venir me montrer 3 000 francs suisses, ça va un peu impressionner des personnes qui sont sur Facebook. Oh, il gagne bien sa vie. 3000 francs suisses, c'est beaucoup. Avec le train de vie que tu as. J'aime même un peu essayer un peu de te secouer que les week-ends. Prends les enfants, tu les amènes. C'est déjà bien. Mais je dis que pour quelqu'un qui dit que j'ai l'argent, j'ai l'argent. Les restaurants là où tu manges, on appelle ça ici au Maroc les fast food Là où tu as amené les enfants à manger, c'est les fast-food. Ce n'est pas un restaurant d'une personne qui gagne bien sa vie. Les vêtements que tes enfants portent ne sont pas des vêtements appropriés pour une personne qui gagne bien sa vie. Parce que quand tu veux venir débattre avec les gens, nous on voit Gluta Cosmétique. La dernière fois, quand son mari voulait l'offrir en cadeau, elle a à Chanel, à Prada. On l'a vu sortir de là avec un sac prada. Nous, on a vu Jean-Louis Messant. Donc, quand tu viens insulter, je suis sûr que Lolita la Baronne gagne plus, je dis que mieux sa vie que toi, Jean-Louis. Parce que quand on regarde tout ce que tu mets sur toi, regarde même la All-Star que tu mets, regarde le t-shirt, un homme qui a des halles mais c'est toi qui viens insulter le physique des gens. C'est toi qui, je dis que tout ce que tu mets sur toi, ton All-Fit montre à suffisance que tu es pauvre. Tu n'as rien. Avec tout ce qu'il y a sur toi, quand on repère, on repère toujours le chinois quelque part. Tes bras, là en or que tu remplis là, que tu dis que c'est l'or que tu mets sur toi. Ce n'est pas l'or, c'est le plaquet, tu ne peux pas mettre l'or. Tu vois, alors qu'on veut toujours montrer, on veut toujours prouver. Si tu veux prouver, je te rappelle que, au Burkina, l'or est moins cher là-bas. Descends au Burkina, tu vas voir les bijoutiers là-bas, ils vont te faire les trucs en or moins chers. Avec 3000 euros, tu peux mettre, tu peux investir dans de l'or. Au lieu de mettre le plaquet, que quand ça commence déjà à devenir, à changer de couleur, tu es obligé de t'en séparer. Mais parce que tu veux toujours tout prouver. Oh, je dis qu'un dabikoko, j'arrive en coco le mois prochain. Je vais entrer en coco. Tu vas me voir en Beng le mois prochain, Jean-Louis. Je viens pour toi. Comme tu as dit que, comme vous avez dit ici sur Facebook, que non, il est au Maroc. Quand je voyage, je vous dis, je vous dis alors que le mois prochain, j'arrive pour toi, Jean-Louis. Je vais m'inscrire en tabicoco. Et je viens te provoquer. Moi, dit déjà, Moi, je viens te provoquer. Quand tu vas te lever, seulement lancer les paroles, Tu vas je vais te provoquer. Tu ne le connais pas Tu ne le connais pas, Jean-Louis Je vais te provoquer sur tous les domaines. Tu dis que je serai sur toi comme un bon virus de cancer, que pour t'en débarrasser, mais le cancer ne meurt que lorsque sa victime meurt. Ceux qui ont les cancers avancés qu'on ne peut plus rien faire. C'est quand tu meurs aussi que les cellules cancéreuses meurent. Donc je suis sur toi comme les cellules de cancer. Tu, même avec la chimio, je ne vais pas partir. Je suis sur toi. Oh, je gagne bien ma vie. Tu as vu comment tes enfants sont, sont vêtus? Quand tu m'envoyais les informations, moi quand j'insistais le l'huile là-bas, je te dire que les lives de Samuel, ne voyaient même pas. Tu m'envoyais jusqu'au nom de son mari, hein. Jusqu'à m'envoyer le nom, soi-disant, de la dame avec qui elle vit. C'est comme tu me disais que c'est la dame avec qui elle vit. Bon, bah, j'ai dit que non. Je vais m'asseoir, je vais parler de là-bas. J'ai Pour moi, c'était drôle. Quand les gens viennent dans mes lives, je te dis que la plupart, même, ils arrivent, ils rigolent même souvent quand ils disent, regarde-moi le teinting là. Parce qu'ils trouvent que c'est drôle, en fait. Mais toi quand tu fais tes lives, on sent la méchanceté, l'aigreur, la jalousie. Tu as abandonné ton ami Amandine pour aller à la soirée de celle que tu détestes plus que tout au monde. Parce que tu voulais naguer les gens sur Facebook. Tu l'as fait perdre de l'argent. En tout cas, vous êtes pareil. Hein. C'est même pique, même tabac. Vous êtes pareil. Je ne peux pas dire qu'il t'a manipulé ou tu l'as manipulé. Donc C'est la même bande. Donc bref. Aujourd'hui, il a vu qui tu es. C'est le plus important. Hein? Aujourd'hui, il connaît qui tu es. Vous, vous connaissez déjà bien. C'est déjà bon. Mais je dis que tu es la dernière personne sur Facebook à prendre la parole. Le dernier. Tu es venu ici en janvier. Tu es parti prendre les gars Tanger parce que ton, ton premier groupe a raté. Tu es parti prendre le deuxième groupe. Mettre ça sur Benjamin Niat et sur Lolita la baronne. Tu pensais qu'on oublié? Jean, louis tu vas amené devant les autorités. Toute ton équipe sera citée là-bas. Tous et je vais te gagner. Je dis que partout tu vas m'amener, Jean, lui, il t'avait prévenu, non? Je dis que tu as cru que tu étais trop têtu. Tu n'es pas têtu. Je suis têtu, je suis tenace, je suis teigneux. Je dis que quand tu as fait, un... Hein, tu oublies que les Kwandengue sont les personnes les plus tenues. Donc quand, quand je m'accroche une cible, quand tu vois un Kwandenge s'accrocher une cible, tu penses que qu'est-ce qui peut le faire quitter? Tu n'as pas encore vu quand un Kwandenge décide que la femme mariée, femme bobie avait les signes, je t'enlève du foyer. Tu connais même les Kwandengue, mais c'est les malades. Tu connais les Kwandenge? Le gars voit un gros bazooka, il sait, le cœur, il dit que ça, là, ça va entrer dans mes fesses. Tu connais les gens, là? Quand tu as fait un il faut, il, faut, il faut être très prudent. C'est des, des fous. Le gars va partir d'abord faire les lavages. Donc tu sens comment le gars prend un gros bazooka, il supporte parce que non. Il te montre le grand écart que la femme de la maison ne te montre pas. Tu dis que tu vas combattre avec un Kwandenge. Attends, qu'elle te voit me méchant, tu peux combattre avec un Kwandenge. Tu peux combattre avec moi. Tu es, comme tu dis que tu es, tu es une vieille Kwandingé, ce n'est pas que tu es une jeune Kwandingé. tu es une vieille Sarakoulé de Kwandingé. Ça veut dire que tu es la grand-mère de Kwandingé. Tu as commencé à faire l'emboque au temps des tatas André au Cameroun. Les tatas André sont morts et t'ont laissé le brassard. Au lieu de prendre la retraite du brassard, tu ne prends pas la retraite. Tu es toujours là. Avec ta gontou, ma elle mange les, le, 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 le pénis, elle mange la, le jésus, elle mange le plantain, elle mange le jésus. Finalement, elle est ouf. Parce qu'il faut la situer. Je ne peux pas comprendre qu'une vieille gagole comme ça, une vieille co gaga, euh, co gaga, comme cela, ne connaisse pas sa place sexuellement. Il faut bien la situer. Soit c'est le plantain, soit c'est le Jésus. Parce que tout le monde sait que ton, ton, ton plantain n'écrit pas. Tout le monde sait. Parce que si on veut prendre un exemple, tous les gars de Ndokoti, les braqueurs de Ndokoti de ton âge. Tous sont déjà arrière-grand-père aujourd'hui. Tu es le seul qui n'est pas encore arrière-grand-père. Qui nous a produit les enfants à la vieillesse. Mais pourtant, tu as quand même traîné pendant de nombreuses années avec ma star Lady Ponce. Même une fausse couche, elle n'a jamais eu. Quand on dit même que le retard d'une femme, elle n'a jamais eu le retard. Je dis bien que jamais eu le retard. Quand on dit qu'une femme a eu le retard, jamais. Elle t'a quitté pour aller se mettre avec le médecin. Poup Dès que le médecin se a... Mais tu connais Lady Ponce, comment est-ce qu'elle est fécondée Off. Quand tu tues souvent les seins de Lady Ponce deux fois, Tu te dit souvent que euh, test de grossesse validé. Lady Ponce n'a même pas besoin que tu vas même la pluie un peu, que tu vas la torturer, que tu arrêtes un, un peu son pied, tu la tortures un peu, que, mais de, que le bord du lui la cogne un peu comme ça, qu'elle s'élève, que tous les bleus sont sur le corps. Non. Le médecin n'a seulement caressé que le bout des seins. Elle a dit que test de grossesse validé. Tu caressais les seins de Master Lady Ponce matin, midi, soir, zéro, tu tapais poteau. Donc, comme monde veut montrer qu'elle, c'est l'âge Gabriel. Je te rappelle que quand les gens disaient que bébé éprouvette là, ton bébé éprouvette, tu n'as pas fait ça en bébé. Tu as fait ça à Yaoundé. Il y a une fondation que Chantal Biave avait mis sur pied à Yaoundé en 2016, qui fait accoucher les femmes par Yves Les bébés éprouvettes. C'est là-bas qu'elle a pris les bébés éprouvettes. Ce n'est pas en qu'elle a eu les bébés éprouvettes là. C'est là-bas qu'elle a eu les bébés éprouvettes, Ce n'est pas en Bénin. Donc, quand tu viens, tu ouvres ta large bouche que tu viens insulter. toi, tu peux insulter les qui? Tu as même pris les, 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 Tu as dit que tu fais reconnaître par ton, hein, ton Pour qui qu'est Donc, toi, alors qui est banqué, tu n'as pas le numéro des ambassades, tu n'as pas l'accès, tu n'as pas les numéros. Toi qui es, que tu dis que tu es, tu es, tu n'as pas les numéros pour aller à l'ambassade, taper le chaos, comme les Lolites à la baronne, organiser les spectacles avec les artistes, ils font venir toute leur délégation. Tu n'es pas capable de faire venir toute ta délégation de nos côtés. Tu n'es pas capable. Ils vont voir ces, 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 je te dis qu'il y a une vidéo que je, et que la, le seul clip de Lady pense que je déteste. Même quand j'étais encore adolescent, quand je te voyais là-bas, je disais que mais c'est quel homme qui se décape la peau, en fait? Ça me faisait honte. Je pouvais même pas m'imaginer que, à 26 ans, je devais causer avec toi. Je pouvais pas m'imaginer. Mais ça me faisait honte, en fait. Je te voyais avec les boucles d'oreilles, en train de faire un peu les trucs, avec les pantalons serrés et tout ça là. Je me disais, mais, qu'est-ce que cette belle femme? Elle doit reprendre la vidéo de témoigne. -là. Pour aussi, je te m'en Moi, si je cause, elle est, je dire que tu sais quoi. La musique là est très belle, mais le clip, la, le, le, la vidéo que tu as tournée, franchement, ça ne t'honore pas. Hey, est tournait là. Hey bébé, on pense même que c'est un, un gars, mais elle a laissé les gars qui ont les les, les tablettes de chocolat avec les côtes tracés et pas à se mettre avec un homme qui a les seins sur la poitrine. Et tu dis que qui t'appelle là Mais qui t'appelle là Mais qui t'appelle là Tu fais comme si tu veux jouer les mecs virils, mais même là ce n'est pas viril parce que tu as la voix d'une gondelles. Tu as la voix d'une dis quand tu viens là tu dis que quand je regarde la vidéo, qu'est-ce qu'on dit que, mais, qu'est-ce qui est arrivé à Lady Ponce, c'est quoi? Tu l'avais mis ça dans le Nyomor? C'était entré dans le bon tu avais fait comment? C'était le sol. Parfois, il me pose toutes les questions. Je dis que tu avais fait comment? C'était le sol en sol. Lady Ponce, qu qu'est-ce qui t'est arrivé? Je dis que la musique, elle est belle. Mais le clip, la, le, le, le la vidéogramme là, c'est, on ne comprend rien. On se pose des questions que, mais, c'est quoi? Pourquoi est-ce qu'elle nous a fait ça? Et quand tu viens là, tu viens faire un peu les Brad Pitt. Mais, mais tu fais quoi, là? Mais qu'est-ce que tu fais, là? Que... J'ai dit, mais attends un peu. J'ai dit que quand j'ai regardé la, 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 chanson, le témoigne, là, j'ai dit que, mais attends, mais, mais oh là, mais il y a un problème, là. J'ai dit, mais les, y il y a un problème, là. J'ai dit, je vais plus, je vais jamais regarder cette, cette vidéo, là. Je t'assure. Je suis dit même que c'est à cause de ça qu'elle a raté même les canals dehors. Peut-être que c'est à cause de la vidéogramme, là, que Coco, Coco et Coco Agenté avait dévancé les dépenses. ponces. Hmm? est que tu souillais je... Attends. Mais non, vous allez voir. Lady Ponce. Il dit, mais, mais qui Tu viens jouer les mecs virils, tu n'es pas viril. Tu as la voix d'une tapette. Et c'est toi qui viens dire que tu... il était parti baguer. Lolita la baronne as tapé. Elle t'avait massacré. Tu manques. Oh, je vais la mettre. Tu peux mettre Lolita la baronne dans ta malariée. Mof. Tu connais même la femme là. Tu... Une femme qui a les lox, ça ne te fait pas peur. Tu peux bagarrer avec une loxy. Une femme qui a les locks, qui porte le bâton comme un homme, elle t'avait dosé, tu et tu pouvais bagarrer avec elle. Il veut mettre la vidéo, là, on va voir quand tu fais le vous. Écoutez, regardez. Voilà, alors regardez, elle est toujours avec les bijoux. Regardez. hey Lady, qu'est-ce qui t'a même fait tourner le truc Mais attends, c'est quoi ça Regardez les bijoux, regardez. Tout ce qui est l'info, euh, c'est la Rolex. La Rolex qui prend la pile, hein. La Olex là prend la pile. Les, Tous les bijoux, montre-nous encore les bijoux sur, au jour d'aujourd'hui. Tout ça, c'est les bijoux de la veille. On va là-bas à la, à la venue les dit. dit. tu partais, oui, il te manquait quoi comme ça? Comment tu le Il fallait mettre le déjà sur les bijoux, sinon. Vous nous avez exposé quoi comme ça là sur la vidéo aussi? Tu peux pas prendre la télécommande de la clim, tu mets sur ça. Yeah, c'est quoi comme ça, c'est quelle clip vidéo, ça? Hein? La chanson belle, est belle, c'est quelle clip vidéo, ça? Tu peux pas prendre la télécommande, donc, tu ne dormais pas dans la clim de et je suis que quand Lady Ponce tournait un peu son petit coin en là, qu'elle mélangeait un peu le carreau white avec deux joues propres, tu prenais ta part dedans et tu divisais en deux. Parce que toi, tu aimes trop quand la femme tourne le jansan et tu prends pas. Et tu sais qu'elle met bien les bons produits dedans, les bons actifs. La femme frotte la crème. Toi aussi, tu frottes la crème. Non, Lady, tu, avais, tu as souffert ici. Tu as trop souffert dans, ce, dans, dans ça. Regardez, écoutez. Écoutez. Hein. à l'époque ici, là, il dit que le clip ça a été tourné. Je pense peut-être, il y a de cela peut-être euh, s'il fois enlever, mais ça en avait 37 ans. Ça, c'est le visage d'un homme de 37 ans. Regardez-vous, parce qu'il dit aujourd'hui je, je qu'il a 54 ans, 53 ans. Sa petite soeur a 53 ans. Sa petite, ça a 54 ans plutôt. Lui, il a 53 ans. Le visage, aussi montre le visage d'un homme de 37 ans. Parce que moi, j'ai 31 ans. J'imagine un peu, dans 6 ans, j'aurai 37 ans. J'aurai le visage comme ça, là. Non, tu n'avais pas 37 ans. Papa, arrête le combat. Si tu vas faire comme ça, qu'on va fermer le combat. Pardon. Je dis que ma soeur, ma soeur Kwandenge, pardon, ma soeur. Évite un peu de, de. Quand vous partez souvent à combat. Pardon, enlevez souvent même 3 ans, vous laissez. Vous enlevez même 4, vous laissez. Mais tu ne peux pas. Je dis que tu coupes en deux, tu mélanges aux toilettes. Voilà pourquoi, quand tu as attrapé le Covid, là, on a dit que tu avais le diabète coma Ou c'était le coma diabétique. Tu as fait le coma diabétique. Le coma diabétique, c'est pour des personnes d'un certain âge. Et les, le temps, sinon, seulement tu avais les cheveux qui finissaient déjà sur la tête. Hein. Tu renforçais qu'avec le black. Regarde comment mon master est. Regarde-toi. Tu es tout rouge. Mais Je dit pardon. Tu sais, je t'aime beaucoup, master. Mais s'il te plaît, va voir la personne qui a YouTube. Je ne sais pas qui a le YouTube. Pardon. Va causer avec celui qui a YouTube. Tu demandes à la personne à qui Le clip, la vidéo, si ne doit plus circuler, on supprime ça maman. Pardon. Je me mets à genoux. Ma ma bon ici. Pardon, Lady Ponce. Pardon, master. Demande à la personne qui a le tu pardon, qu'il enlève. Parce que, Tu as que toi, moi c'est tu as fait ton, 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 ton Maman, le est une crevette. Il est parti prendre ton sang, Il ne sait pas que non. Pour le corps, on ne met pas ça sur le visage. Il est parti prendre pour, pour le corps, il a mis sur le visage. Tu vois comment il est rose. Tu n'as jamais aimé mes sangs. Tu ne pourrais pas quand même le punir comme ça. que Tu le rends rose. Si è, un clip, c'est si, 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 une vidéogramme qui va faire le tour du monde. Oh là là. Écoutez. Maman, juste qu'elle a les favoris, elle a les favoris. Elle joue alors la jalousie. Avec les oreilles percées. Hey. <coughs> <coughs> maman, le elle est là, hey. Au niveau... <coughs> le bras est kengto maman. Non, je me un peu Regardez les oreilles, les boucles, maman. <coughs> Regardez alors les dits. Regardez alors, regardez alors les filles. Eh chérie, il n'y a rien. Qui à cette heure? Non rien, c'est un ami. Hey. Il y a quelqu'un derrière. Attends, j'ai demandé qui me manque. Eh. C'est quoi ce qu'on rit? Regardez comment la vidéo est belle. Regardez comment le son est beau. Regardez comment le son est beau. Écoutez, écoutez un peu la mélodie. Oh là là! Hey, L'oreille PC! Hey. Ouais. <laughs> ok! Mais qu'est-ce que tu ignores? Qu'est-ce que tu ignores là? Vous ne le connaissez pas? Il était très 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 enthousiaste même d'apparaître. Qu'est-ce que vous ne voyez pas là? Il était très enthousiaste d'apparaître sur le, la, la, la vidéo là. Quelqu'un qui aime le Mathieu vu. Je dis que le père là aime le Mathieu vu comme pas possible. Le Mathieu vu avait lui. Regarde, regarde cette vidéo. C'est une honte. Une grosse honte, une grosse déception. Donc quand tu dis que tu veux venir insulter les gens, je dis que même quand tu étais jeune, tu n'étais pas beau. Ce n'est pas, pas un mensonge. Même quand tu étais jeune, tu n'étais pas beau. C'est normal que tu vieilles, tu vieilles toujours, tu n'es pas beau. La beauté t'a refusé, la beauté t'a mis au repondeur. Et je t'ai dit que le genre de personnes comme toi. Moi, j'ai étudié avec des personnes qui n'étaient pas beaux. comme hein. hum? <laughs> Mon grand frère Léon. Moi, j'ai étudié avec. Tu, vous voyez un peu souvent, grand frère, tu vois souvent à l'école primaire. Les camarades qui n'étaient pas souvent très beaux là, il n'avaient pas un beau visage, et parfois les pieds n'étaient pas très très beaux et tout ça. Ils se faisaient souvent insulter en cours de récréation. Donc tu penses, je pense que mes sangs étaient un peu comme ça, que quand il y avait la cour de récréation, on l'appelait Oh bébé joufflu, Boubou -bou gâteau, Oh oh Boubou gâteau, Oh oh Boubou gâteau. Pourquoi tu réussis à grandir avec les joues qui, qui débordent le visage ça veut dire que quand il était petit, quand il partait jouer en coude à la salle de à, à, à la récréation, on l'appelait Oh, bobo Gato! Oh, bobo Gato! Oh, bobo Gato! C'est comme ça qu'on l'appelait. Donc, ça fait qu'il avait honte. Il était bobo Gato! Quand il était petit, on l'appelait Oh, bobo Gato! Oh, bobo Gato! Oh, oh, Boubou gâteau. Hein? Hein? Avec l'oreille percée, regardez-vous-même. La mère, elle, elle vient m'insulter. Maman. <laughs> on pouvait porter les boucles chez nous, maman, la mais tu mets ici, si tu mets les boucles d'oreilles, le visage est rose, mamie. Mamie, même quand tu fais le jansan, ça fait le bon jansan non, maman. Il y avait les <laughs> Il y a pas les bons produits avant, maman. <laughs> il y avait encore le liposomol. Le liposomol. Hein, mamie? Quand tu décides de faire le jansan on met les bons. Il les... faut mettre les bons produits, il faut prendre les bons actifs. Mais c'est quoi que la dame elle a le visage tout jaune toi tu as le visage tout rose comme un petit bébé rose hmm? le visage est tout rose comme la tomate c'est quoi ça grande sœur oui. et un jour là la... c'est alors marrant c'est qu'elle fait dans le clip la, la, la vidéo là comme si elle est trop amoureuse elle est qui pense aussi qu'il se laisse tripoter yeah, yeah, yeah. Oh, Seigneur même quand les gens se tombent sur cette vidéo qu'elle annule ça sur YouTube les archives le Seigneur les archives Maman regardez tu zooms même tu mets un comme ça toujours hein rose rose jaune rose jaune Maman avait les oreilles percées regardez là alors Maman à l'époque elle faisait alors vraiment croire qu'elle est banquière suisse Et la jalousie hein <laughs> avele bijou du macik ngululun avele bijou de nculolon mama adie le bijou àdo edie que vousa vae inspire la vidéo la mama le bijou àdo we <coughs> ouais, kololon o mama ancien tèe

mama le ma ialo congosa baa le téléhone de la famme so iiar c'était hey. 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 quoiqu'ilva su lamain le brasillaajn baba le bijo Papa, les bijoux du marché Congo, maman. C'était quoi mon qu téléphone ici? C'était quoi là-bas? C'était le Nokia. Et le téléphone a catté -télé. les. Aïe! Maman est stade. Ouais. Ouais, Seigneur. Non, Lady. Ouais. Ouais. Avec la télécommande la climat du climatiseur. Aïe, aïe, aïe. Aïe. Hey. Hey. Non, t'as de me rappeler un peu Les oreilles... Papa, tes boucles sont où <laughs> Papa. Papa, la boucle, elle est où Parce que depuis des années, tu ne mets plus la boucle. Il ou elle. Il ou elle sont. Les boucles sont où <laughs> Il ou elle le son? Il ou elle le son? Les boucles sont où? Beba si longue, wende, wè, 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 beba si longue, wè, wè, les boucles sont où? Il ou elle le son?

Maman, l'académie des verbes, maman. Mes collègues intellectuels. Mes collègues intellectuels, maman, pointez ici, là. Il ou Maman, mes collègues intellectuels. Mais, mais j'ai comme l'impression que mes collègues intellectuels sont partis. Mes collègues intellectuels. Mes collègues intellectuels, venons conjuguer les verbes, mes collègues intellectuels. Je suis, tu es, il, est, vous êtes, il ou elle. <laughs> mes collègues intellectuels, si vous plaît, au de l'indicatif. Ouais. Mes collègues intellectuels, si vous plaît, au de l'indicatif. Ouais. Non, les femmes aussi, vous avez le cœur. Et, mes collègues intellectuels. Vous l'avez vu, il elle, maman, au pluriel. Au <laughs> pluriel de l'indicatif, il ou elle, <laughs> sans. écrivez Ouais. C'est grave, hein. C'est quand même grave, là. Non, mais, franchement, je comprends pourquoi tu essaies toujours de revivre ta vie. Tu vois, quand je te dis que, d'une part, j'arrive pas à te faire le clash, parce que tu peux pas le clash, je te dis. Je te dis, en toute honnêteté, tu peux pas. Quand tu dis que tu clashes, qu'elle voit un gontouma qui dit que tu vous ne clashez pas. Bah, ben, ici, si elle me met à vous clasher. Je vous clash avec vos défauts, hein. hmm. Si elle dit que je vous clash, je prends seulement tes défauts. Je te clash avec, je te persuade que tu n'es rien, tu n'es qu'un minable type. Comme je suis en train de faire là, ce n'est pas le clash. Si je décidé de te clasher, te membres, tu vas fuir Facebook. Je, suis, je dis que j'ai le doctorat en clash. Si je décidé que ma soeur dit qu'elle clash avec toi, j'ai le doctorat en clash. Tu pars de Facebook. Tu as d'abord tellement de défauts sur toi que je prends ma poitrine, j'enlève je mon, mon t-shirt. Je me mets torse nu avec le bermuda. Te mettre torse nu en bermuda te dépasse. Tu ne peux pas le clash. Il dit que le clash jamais avec un homosexuel. Surtout un homosexuel comme moi, que je suis celui de moi, ne vient pas mal. C'est dit que tu as tapé pour L'échec total. Ça serait l'échec total, les pleurs totales. Ne, 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 ne cherche pas à clasher parce que je vais te ridiculiser. Voilà pourquoi, quand j'ai mesuré, je dis que si toi je t'amène dans le clash, mais je vais, je, je vais tellement t'humilier que. Et je n'ai pas envie d'humilier mon grand-père. C'est parce que tu t'étais permis quand même de m'insulter en me traitant que celui qui est de l'autre côté de la Méditerranée avait sa bouche comme euh, quelqu'un atteint des moïdes sévères. Tu connais bien la bouche de quelqu'un, tu connais bien la de quelqu'un qui a des moïdes sévères. Et d'ailleurs que mes traits de visage, ma bouche, il y a des personnes qui vont chez le chirurgien, Jean-Louis Messang, pour ne serait-ce qu'avoir la bouche que j'ai. Jean-Louis, la bouche-ci, il y a des personnes qui payent. Pour avoir la bouche, il y a des personnes qui payent pour avoir ce visage. Comme tu payes pour avoir ma couleur de peau, il y a des personnes qui dépensent beaucoup d'argent pour avoir ma couleur de peau. Ils ne l'ont pas. C'est pour ça que moi, je n'ai pas besoin de me compliquer de dire que je suis beau. Parce que je sais que j'ai des beaux traits. Et que pour moi, quand même, la beauté, c'est quelque chose d'éphémère. La beauté est relative. Je dis que la beauté est relative. La beauté pour moi, c'est quelque chose où c'est le dernier de mes critères. Quand je me sélectionne un partenaire, je ne me statue pas sur... Il y a deux choses. Si tu veux que je sorte avec toi, il faut que tu aies au moins eu à fait une année à l'université ou deux années à l'université. Il faudrait que tu me rassures que ton compte bancaire a l'argent. Parce que je suis matérialiste. Ça ne veut pas dire que je vais t'exiger te, des choses, etc. Non, je veux être sûr que si on se retrouve dans un milieu, je peux apporter 50, tu apportes 50 et on gère le problème. Et que tu peux être dans les difficultés, je suis capable de gérer la, la, la difficulté que tu rencontres. Et qu'en retour, tu sois capable de le faire avec moi. Si ce n'est pas le cas, on va aller nulle part. Je t'assure que même dans ma vie d'homosexuel, tu ne peux pas te placer devant moi et te regarder. Je vais te chasser. Parce que le français d'abord que tu abordes est tellement orduri et sale. Moi j'aime les hommes discrets. J'aime pas les hommes bavards. Et je te dis encore que des études françaises disent qu'un homme qui est tout le temps en train de se chamailler avec des femmes. Parce qu'à l'aise, arrête de faire croire que tu te discutes avec des femmes pour défendre l'honneur de ton épouse. Non. Les études françaises disent qu'un homme qui est tout le temps en train de se quereller avec des femmes, c'est un homme dont la sexualité est remise en question. Donc ta sexualité est remise en question et je peux me permettre même quand même de la remettre en question. Mais je t'accorde encore ce, ce truc-là qui te fait croire que tu es un homme viril parce que tu as tout sauf d'un homme viril. Un homme ne s'assoit pas et croise les pieds de côté. Donc quand je te vois, tu sois ici là, tu commences à insulter Thierry. Qu'il faut que Thierry te montre son corps. Il faut que tu jusqu'à tu te remercies la dernière fois. Tu es venu décrire le sexe d'Achille Dicolo comme si tu l'avais déjà venu. Tu as montré à suffisance que tu es intéressé par cet homme. Oh oui, Achille Dicolo, quand vous regardez, c'est un montage. J'ai souvent eu à voir si c'est souvent un peu comme ça. Son pénis ne peut pas être ça. Quand vous voyez là, quand même, la carrue, Donc, ça montre que tu as souvent eu à toucher les bangalas des garçons, quoi. Parce que même moi-même, on vous dit cela que je suis il ou elle. Je si vous ai dit que si vous voulez me faire partie de Facebook, comme vous voulez trop connaître ma vie, si vous voulez me faire partie de Facebook, montrez-moi seulement un seul message, que ce soit femme ou homme, je me déconnecte. Un seul message, que ce soit une femme ou un homme, que moi, Samé, l'enfant de Sidi de son Songé David, j'ai pris, j'ai écrit que bébé, bonjour, comment est-ce que tu vas bébé Que ce soit femme ou homme, je me déconnecte. Je fais partie des enfants de ma mère qui ont connu leur sexualité très tard. Je ne vais jamais vous raconter ma vie. C'est pour ça que je vous ai dit que le jour où une personne viendra sur Facebook vous raconter ma vie et que vous allez vraiment donner les connotations, je saurai qui vous a dit. Et je ne vais jamais m'attarder sur vous, je vais m'attaquer à la personne parce que très peu de personnes connaissent qui je suis, ma réelle vie. Très peu. Je dis bien que très peu de personnes. Voilà là où je vous dépasse aller et retour. Parce que je trouve que une personne publique a ce qu'on appelle une vie privée. Quand ta vie privée est déjà étalée sur les réseaux sociaux, c'est terminé. Tu deviens une ordure. Ce qui fait en sorte que Jean-Louis, au jour d'aujourd'hui, tu es devenu dérangé. Tu es un esprit dérangé parce que ta vie, personne ne la connaissait. Parce que nous étions un bouclier pour cacher tes erreurs. Dès lors que tu as décidé que tu vas nous affronter, tout le monde étale ta vie. Ta soeur qui est prêtre, qui est pasteur, est-ce qu'on savait? Les gens sont allés enquêter jusqu'à savoir à qui elle est mariée. Ton frère prêtre et eh, pasteur, qui savait? Les gens sont allés enquêter jusqu'à savoir avec qui elle est mariée. Toute votre vie, même ta grande soeur qui t'a fait venir en bain, qui est mariée, qui était mariée avec un architecte, etc., etc. Marie, que tu connais là, que je m'arrête là. Toute sa vie m'a été racontée Jusqu'à jusqu la virgule prête Est-ce que tu peux me parler de ça Parce que j'estime que je n'ai pas encore affaire à eux J'ai affaire à toi Je n'ai pas affaire à ta famille Tu as donc vu que depuis que tu as commencé Ta guerre avec nous Jusqu'ici la Lolita à la baronne ne parlait pas Imagine alors qu'on vient vraiment tout détailler Tu vas fuir Je dis que tu es une honte pour la gendre masculine Tu es une honte Jean-Louis

Mais c'est toi qui ouvre ta bouche tu, sur Facebook, tu dis que ma tante te va, le. Pourtant, tu dors que là-bas, avec le Pasto, Avec ma Pasto. J'ai tout le fax là. Imagine alors un moment donné que toi qui dis que tu as trop d'argent, pourquoi tu ne te payes pas une maison au Cameroun Paye-toi une maison au Cameroun. Tu es obligé d'aller supplier les maisons. Abec, Abec, je vais dormir ici. Tu es parti du Cameroun avec l'argent de Dieu Cyclone, 300 000 francs. Quand tu partais manger à Youpe, tu faisais croire que c'est toi qui payes les factures. Ce n'est pas toi qui avais payé. C'est Dieu Cyclone qui t'avait invité à Youpe pour manger le poisson. Et il faut voir comment est-ce que tu mangeais plus que tout le monde. Pendant que les autres ne mangeaient plus, tu étais toujours à table, hein, En train de, de, mettre la main sur la chair du poisson. Manger, manger. Jusqu'à je vends un gontoumanioxine qui apprécie le poisson, là. Donc, une femme qui apprécie la nourriture d'une autre femme, c'est une honte. C'est ce que ma mère avait appris à mes grandes sœurs. Tu peux dire que c'est bien fait, mais déjà tu apprécies jusqu'à ce que, comme si tu ne sais pas cuisiner, c'est dégradant pour toi en tant que femme. Ma mère le disait tout le temps à mes grandes sœurs. On a vu Ngontuma, tellement assise, elle a fini de doser les dinos sur le ventre. Tant tu dis qu'il faut qu'on te classe, on va te clasher, que ta vie est un clash. Tant Ngontouma est venue d'abord et cela dit qu'elle vendait les gérus la main 600. Elle ne m'a jamais perdu le point. Hein. N'gontuma n'a jamais perdu le poids. N'gontume est parti se faire charcuter, elle a failli laisser sa vie. Récemment, là, elle a contacté une personne proche de la TKC. Tu connais, tu, tu, tu connais la personne, non? peut te dire la personne. N'gontume est parti contacter une personne dans la TKC proche, collaboratrice de la TKC, pour lui demander les injections blanchissantes. Mais je trouve que pour quelqu'un qui fait des ah, dans les laits de toilette, qui dit, qu dit, qu dit, qu dit que le sang ja, ça, ça, les vitamines de A à Z, elle ne devrait normalement pas injecter son corps. Ça s'appelle de la publicité mensongère. Ce que tu mets sur ta peau, tu n'es pas capable de vendre ça à tes internautes. Donc, quand tu dis qu'il faut qu'on salive votre nom, les qui vont saliver votre nom votre, votre vie était déjà sale. Votre vie était déjà sale. Vous êtes juste venu sur les réseaux sociaux parce que vous avez les intentions de vivre votre vie par procuration de Facebook. Le paraître. Voilà là où Amo te dépasse. Voilà là où Amo te dépasse. Là où Lolita Labaron te dépasse. Tous ces gens-là te dépassent. Il te dit que tu ne peux pas te comparer avec quelqu'un sur Facebook. Avec personne. Même avec une personne de ta génération, tu ne peux pas te comparer. Tu ne, peux te comparer. Je dis que tu ne peux te comparer avec personne. Tu es le dernier de ta génération sur le web. Le dernier. Avec personne, tu ne peux te comparer. Avec personne. Non, leur est venu vous dire cela que c'est elle-même qui a payé sa gamme. Elle est venue vous dire, non. Que c'est moi-même qui ai pris, j'ai payé ma gamme. Toutes les personnes qui ont utilisé leurs produits, je n'ai pas vu quelqu'un qui a, qui, qui a ma couleur de peau, hein. Parce que je que c'est ma couleur de peau qui vous inspire. Mais toutes les personnes qui utilisent vos produits, je n'ai vu personne avec ma couleur de peau. Personne. Tous sont toujours les poids approximatifs. Il n'y a pas de peau exacte. C'est toujours qu'on tâtonne. Quelle est la couleur de peau? On, on, quand on rajoute de filtres, alors c'est la catastrophe. Voilà pourquoi un homme comme toi, tu ne pouvais que te permettre pour dire que je serais ingéré des produits. D'un Parce que quand je te regarde, tu penses que tu as une belle peau. Tu as une peau malade. Très malade. Récemment, tellement, je, te... je dis que tu me suis. Ce qui est marrant, c'est que tu me suis. Tu suis tout ce que je te dis, tu appliques. Récemment, là, quand tu es allé, tu es parti nous montrer la publicité pour blanchir les dents. Parce que je t'avais fait comprendre ici, là, que tu as les dents jaunes. Il faut que tu ailles blanchir les dents. Tu oublies qu'à ton âge, si tu ne devrais plus normalement blanchir les dents, tu devrais mettre les fers pour renforcer les mailles de tes dents. Parce que très bientôt, ça va commencer à sauter. Tu vois un peu, quand tu retournes déjà à l'enfance, de la vieillesse, les dents commencent à sauter sur la bouche. Ça va commencer à sauter. Tu vas commencer à mettre le dentier. Donc, blanchir tes dents là, ce n'est pas la solution. Trouve une solution pour renforcer les mailles de tes dents parce que ça va sauter. Tu es parti nous présenter la femme là qui dit qu'elle fait les formations pour blanchir les dents. Parce que ça m'est dit que tu le... quand tu souris, tu es obligé de mettre la main. Je t'ai même... même montré la vidéo. Comment est-ce que quand tu souris, tu es obligé de mettre la main dans sa. Si tu veux demain, je te remets la vidéo. là Si tu veux demain, je te mets la vidéo. Quand tu n'as rien à dire, faut la fermer. Quelqu'un qui écrit le commentaire là, quand, y a rien... quand tu n'as rien à dire, faut la fermer. Si tu attends la paix, je vous ai dit cela sur Facebook. Si vous voulez alors vraiment voir la folie de Ngomaboa. Comme ils sont en train d'aller là-bas avant qu'ils ne viennent. Qu'ils aillent faire la paix. Je dis même le chef de Ndabikoko va passer sur Facebook. Qu'ils aillent alors faire la paix. Ouais. Vous voulez me lancer le défi. Vous voulez me lancer le défi. Lancez-moi alors le défi. Peut-être vous n'avez pas encore vu Ngomaboa. Au degré. Donc on dit que au dernier degré de sa folie. Je ne vous ai pas encore servi le dernier, donc ce que vous savez là, non. Parfois vous savez seulement le 1 quart, parfois la moitié. Je ne vous ai jamais servi le dernier degré de ma folie. Vous n'avez pas encore vu le dernier, donc le on dit que le dernier degré de la folie de Gomaboa. Allez alors faire la paix. Comme c'est ce que vous attendez que après nous avoir sali, aller déposer plainte, demander qu'on nous bastonne, nous faire insulter sur les réseaux sociaux, tu viens dire qu'il y a la paix. La paix va se faire peut-être quand je ne serai plus de ce monde. Mais tant que je suis de ce monde, il n'y aura jamais de tentative de paix entre lui et moi. Il peut arriver que je ne sais pas qui peut taper, qui peut à l'heure actuelle taper le poing sur la table. Mais ça serait sous condition. Ça a failli se faire. Le chef de Ndabi peut vous dire ce que moi je lui ai dit. Quand on a dit qu'on va l'ajouter, j'ai dit que, mais ça entre dans la conversation, je sors. Je ne peux pas discuter avec quelqu'un qui a voulu me faire du mal. Je ne peux pas. Et entre, je sors. Et que même par gants, on se retrouve quelque part, même devant un tribunal. Vous ne le connaissez pas. J'ai un degré de colère dans le cœur avec des questionnements que je me pose. Je suis capable que même devant un tribunal, il ne pas l'arrêter comme ça avec les mains, que arrête avec les mains. Je suis capable. Parce que j'ai un degré, j un cœur gros de colère et plein de questions dans le cœur. Donc il n'y aura pas. Et je dis que pour l'heure, personne. Personne ne peut compenser la tentative. S'il veut qu'il y ait une tentative, qu'il prenne sa caméra, il reconnaisse un peu tous ses forfaits. Là, je vais comprendre que voilà un père qui est en train de revenir dans les meilleurs sentiments. Mais tant qu'il veut montrer que je peux plier le coup de poing, j'avance, je vais résister. Je dis bien encore que tant qu'il peut montrer que je peux lancer, je vais résister à son coup de poing. Et je vais contre-attaquer. Il n'y aura jamais de paix, en Coco. Si je vous manque, taper ma main. Ce n'est pas encore sur le point d'arriver. Donc, je trouve que Jean-Louis, tu es le dernier des réseaux sociaux à prendre ta parole et insulter les personnes. En qualifiant des personnes de pieuvre, d'être laide, d'être laide. Pourtant, ta femme elle-même n'est pas belle. Ta propre femme, jean lui n'est pas belle. Elle a certainement les beaux traits, l'expression du visage, mais le corps, c'est toute une autre chose. Elle n'est pas jolie du tout. Toi non plus, Jean-Louis, tu n'es pas beau. Tu es venu m'insulter. Je dis que ma mère. Comme elle dit que ta saté est propre, ma mère ne peut pas accoucher la qualité d'enfant que Jean Luc tu as mis au monde. Ma mère ne peut pas. Tu as vu les enfants de ma mère, non? Tu t'es montré les photos de mes grandes sœurs, non? Ma mère ne peut pas. La qualité là, c'est les oiseaux. Ma mère ne met pas les animaux au monde. Elle peut pas. Donc quand tu viens me citer, je peux aussi m'asseoir, je lave tes enfants, parce que je suis aussi l'enfant de quelqu'un. Comme ma mère et mon père ne vivent plus, moi, je peux me défendre. Tu as tout fait. Tu as tout inventé jusqu'ici. Te... Qu'est-ce que tu prépares encore? Qu'est-ce que tu prépares? Demain, c'est samedi. C'est que tout à l'heure, là, tu es en train de rentrer. Tu vas nous servir des boulangangas. Il faut bien venir. Comme tu es en train de venir, là, viens, bien. Tu vas encore servir quel sujet? Parce qu'à la fin, les gens vont s'ennuyer de toi. Les gens vont s'ennuyer de toi parce que tu n'as plus rien à servir. C'est la répétition. Tu vas encore servir quoi Après avoir essayé de saboter les dons, de tenir l'image de ta soeur, de, ta, de ton ex, de l'affaire enfermée au Cameroun, la prochaine étape, c'est quoi Qu'est-ce que tu vas encore servir Rien du tout. Parce que maintenant, ce que tu vas faire, ça serait du réchauffer. Et je te dis que comment à dit à ta femme je bah, sais que vous m'écoutez beaucoup. Dis à ta femme qu'une seule page ne peut pas mettre les hommes de Dieu là-bas, compris. La même page insulte les gens. La même page on cuisine pour manger. Je trouve que vous vous moquez du Seigneur. Vous vous moquez de Dieu. Créez une page santé ou spiritualité avec le couple méchant. Parce que ta page là, c'est la page de Sodome et Gomorre. C'est la haine. C'est l'Armageddon. Ta page, c'est l'Armageddon. C'est la haine. Cette page où on ne partage que les vidéos où on insulte la dépravation des mœurs. Tu pensais que qui peut te regarder et croire et te donner même du crédit quand tu disais que les personnalités te suivent L'année prochaine, c'est les élections. Hein. Quelle personnalité peut te contacter je voulais que tu ailles à Dynamo pour manger les 1 million que tu allais donner là-bas comme carte pour avoir ta carte d'adhésion. Tu... Comme tu voulais entrer à Dynamo, il voulait que tu ailles là-bas pour donner 1 million, parce que la carte d'adhésion, c'est 1 million. J'allais manger ton argent, tu ne devais jamais avoir la carte d'adhésion là. Parce que personne ne doit associer son image à toi. Personne, jusqu'à l'heure actuelle, personne ne doit associer son image à toi. Tu es une raclue. Une raclure. Et je trouve quand même que maintenant, si tu veux lancer des pics ou tu veux te rivaliser, prononce le nom de souverain Raymond Tienga. Prononce. C'est là où on veut voir les hommes qui ont les couilles, non Prends ta caméra, tu as essayé de faire avec J.Rémingo, non, non. Comme tu aimes souvent entendre que tu clash. Comme tu aimes souvent entendre que tu clashes. Tu es parti porter J. Tu as dit que tu veux clasher avec lui. Il t'a donné deux injures. Boum, boum. Tu as fui. Il dit que J. Rémi Gono servi ça comme moi. Pom, pom. Il t'a enchaîné. Tu as fui le clash. Avec un homme de ta génération, hein, tu as fui. Toi, tu peux se clasher avec qui? Tu as même essayé de faire avec un mot. Tu as fui le clash. Tu as fui Jean-Louis. Attends, quand on dit que tu clashes, tu peux clasher avec qui Tu peux aller t'attaquer aux femmes. Tu ne peux pas clasher avec les hommes comme toi. Mais là, il te dit alors quand même qu'il y a le souverain Raymond Tinga. Que si tu veux quand même essayer, tu peux aller essayer de clasher avec lui. Si tu es vraiment un homme, hein. si tu es véritablement un homme qui ne souille pas son épouse, va clasher avec le souverain Raymond Tinga. Va clasher avec lui. Pourquoi tu ne peux pas, pas clasher avec lui pourquoi tu es toujours en train de chercher à clasher avec les, les, les femmes avec plus petit que toi? Va clasher avec le souverain remonte. Il t'attend. Voilà un homme qui aimerait que toi et lui vous clashez. Va clasher alors avec lui. Prends ta caméra, tu dis le souverain remonte, viens, on clashe. C'est là où on veut voir vraiment la force, le cœur du gars à que tu es. Zéro. Regardez comment tout ton visage est tombé. eto tonsecomeunviel grama quivaipass fa la sacélérie lba do cimbi matou ton sagelcoe les vieil grama qui faisait la sacélerie àdoccimbi tout le visage oh, blo va mênti même, même ton visage non? Fais un peu comme ce que Guilain Chapu a fait qu'elle a mis le phenol sur le visage. Va me mettre le gazois sur le visage, on tire encore ton visage. Regarde comment ton visage est. À 54 ans, quatre, quand le visage a tombé comme ça, ton âge de Kumbala. Hein? À 53 ans, trois, en, comme tu nous as dit, dont ma mère était ta grande soeur. <laughs> oh, oh. <laughs> ouais. <rire> Donc madame Songa était ta grande sœur, Jean-Louis. Oh oh. À 53 ans, ta petite, ça à 54 ans, ans, papa. Tu as fait ça comment Dans 53 ans, tu as il y a le visage qui est tombé, les mandibules qui tombent. Le visage s'affaisse déjà comme ça, là tout seul. Eh, eh, papa. J'imagine alors les années qui vont s'enchaîner. Là, tu vas faire comment là, Pourquoi tu es obligé de porter le chapeau Mettre les binocres Parce que tu n'as pas une belle tête. Et si tu avais une belle tête, je t'assure, tu allais enlever le chapeau, garder les lunettes de soleil. On voit un peu ton dimbanya. Et moi j'aime bien voir les hommes avec la boule à zéro. Et tu es le seul homme qui n'aime pas la boule à zéro. Je ne sais pas d'ailleurs pourquoi. Et que tu trouves quand même nécessaire que pour faire la boule à zéro, il faut qu'on te remplisse les tonnes de blagues sur la tête. Est-ce que je manque Si tu veux, je te mets la photo. Non. Tu sais que moi toujours les photos. Non. Mm? Tu es le seul homme. Que quand tu mets la boule à zéro, tu, 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 tu doses le chapeau derrière. Ce n'est pas bien, ce n'est pas gentil. Ça manque de sincérité là. Mm? Faut pas faire la boule à zéro, regarde. Quand tu sais un peu de faire, que tu dis que tu fais les contouries, voilà exactement à quoi est-ce que tu ressembles. Hmm? Voilà exactement. Cela, tu ne peux pas dormir à côté de moi, je ne te mens pas. Avec un truc comme ça, il n'y a plus les cheveux sur la tête, tu, tu traces avec le cirage. Moi, tu es un homme, tu me dis, bonjour, je te verse l'eau. Je ne te mens pas. Je ne te mens pas, je te verse l'eau. C'est pour ça que tous les gars avec qui je suis sorti, je ne suis jamais sorti avec un gars qui est mon aîné de trois ans. Jamais. Quand tu as à l'âge de, comme là où je suis là, tu as 40 ans, tu ne te calcules pas. Et pour moi, tu, faut pas venir me tirer mon sang, je, non. Moi, ils sont avec les gens de mon âge. Regarde. Maintenant, je comprends pourquoi est-ce que tu te sens obligé de sortir pour défendre Ngoto Magnoxéline. Parce que quand un grand-père épouse une jeune fille, il se comporte comme si, je te l'ai dit. Je te dis dit, dit qu'il y avait un grand-père, quoi, non, qu'on appelait Papé Wessi. Sa deuxième femme était une jeune fille. Je tu dis que Papé Wissi, quand tu voyais le grand-père là, qu'on appelait Papé Wessi, était vieux. Mais sa deuxième femme, mince, tu avais l'impression que c'était sa fille. Et le père était jaloux jusqu'à dire que même quand sa femme sautait pour aller au marché, il était derrière. Sa femme sort même pour aller à la réunion des femmes du quartier de Boniwanda. Il est derrière. Le père ne laissait pas sa deuxième femme seule. Un papa aussi. Pff, il ne laissait pas sa deuxième femme que oh, oh, monter, descendre. Mm -mm. Ça fait que quand le père est mort, mort, sa deuxième femme était la koala humanitaire de Boniwanda. Et dit que la koala humanitaire est distribuée à qui veut. Elle était la rachide du deuil, le sasaye, yé, on l'appelait quoi que Mbeignon M'gontoumauma les Je dis que la rachide du deuil. Elle partageait seulement parce qu'elle avait la liberté. Pourtant, quand son mari et Wessé vivaient, elle n'avait aucune liberté. Je dis que Partout là où la femme partait, papa Wessé était devant. Soit il est devant, soit il est derrière. Quand tu appelles même sa femme ou tu regardes un peu sa femme un peu un jala sa deuxième femme, tu regardes un peu sa deuxième femme, un jala. Tu as bagarré, papa et tu dis que vous allez pied, tu vas le il voir, va, il, va, il va détacher son sandier, il avait tout la culotte en bas. Il prend sa matiette. Hey, que tu as seulement regardé sa femme bizarre. Et oui c'est. Mince. Maintenant, je comprends pourquoi quand les gens parlent, il faut que tu sortes et venir défendre ta petite fille. Ça, ça s'appelle détournement de mineur. Hein. Je sais pas si tu es au courant. Que ce que tu as fait là en tout le monde appelle ça que détournement de mineur. Maintenant, je comprends pourquoi est-ce que quand tu as levé les dons avec tes BTT, tu as pris l'argent là pour aller construire la maison de ton beau-frère au village. C'est quand même fragant. hein. C'est quand même fragrant. Les gens cotisent, papa, tu as utilisé la ruse. Tu dis que voilà un homme qui n'avait pas un toit sur la tête. Pourtant, c'est ton beau-frère. Tu prends l'argent des BTT, tu pas construire le, le, le château au village. Eh, Angondouma, tu as mis le père au travail. fais à nos maman. fais à nos Tu as mis tu as mis mon grand pour au travail. Athée. Faut alors voir le black qui est sur la tête de Pan Les lunettes là c'est quoi papa C'est Versace de Monaco, Les lunettes qu'il a là sur les yeux là, là C'est quoi C'est Versace Il aime bien les Versace Avec les, avec les Gouvenchi, avec les Vuitton C'est les, les lunettes Versace <laughs> Ouais papa Faut accepter que la beauté La beauté t'a vraiment mise au repondeur hein. C'est pas de notre faute en tout cas, c'est pas moi de ma faute. Et je trouve que quand tu veux quand même inciter les gens, il faut pas avoir les cinq parce que moi, je te demande pas qu'elle veut pas vieillir comme toi. et peut pas. Elle veut pas vieillir le genre que les signes sortent, poussent du visage, sur la poitrine. Les cinq poussent. Va en salle de sport, non? Si tu t'ennuies autant, va en salle de sport. Essaye un peu de partir en salle de sport. Tu vois, au jour d'aujourd'hui, les dermatologues ont, multiplier les chances d'avoir une très belle peau. Va voir un bon dermatologue, il va te mettre sur un bon Jansan. Tu vois un peu, tu lui dis que tu ne veux pas devenir ta couleur de peau de base, que tu veux continuer à devenir clair. Tu pas tu prends un bon chirurgien. On t'aspire tout l'eau que tu as sur le corps. Toi, tu ne peux pas courir. Comme tu as le diabète, quand on va à bien te doser là. Quand on commence à bien te doser, il faut que ta femme te mette toujours un petit gâteau. Vous n'avez pas remarqué que chaque fois qu'il fait le live, il y a toujours la nourriture à côté avec un petit gâteau. Parce qu'il a besoin du sucre. Quand il commence à cracher, à un moment donné, il commence à trembler. Son taux de, gl de, 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 de glycémie commence à chuter. Donc, il lui faut le sucre pour augmenter le taux de glycémie. C'est là où vous voyez comment on tourne à côté dépose un petit gâteau. Maman, il faut alors voir alors papa. Papa, boubou gâteau. Il faut voir comment papa boubou gâteau. Papa, vos gâteaux, ça sent, papa, ils dosent. Ils dosent le gâteau. Ils dosent. Le, le sucre doit bien, le glucose. <laughs> Hé, hey, papa, papa, vos gâteaux. Le glucose doit bien entrer dans le matil. <laughs> ouais, le père. Le père, tu n'as plus le carburant. Ton carburant est fini, tu n'as plus. Quand tu doses, tu oublies de prendre le glucose. Tu entres, tu mets dans le matil. Jusqu'à ce que tu danses même. La dernière fois, ta femme te dit que ne danse plus parce que les gens vont encore capturer pour mettre sur Facebook. Tu vois comment elle a honte. Elle a honte de toi. Tu fais honte. Montre-nous un peu sur la toile. Quel est le vieux qui se comporte comme toi? Je Et... tu sais quoi, je vais me supprimer mon live. Je vais mettre en confidentialité parce que de peur que tu dis que je supprime mes lives. Je vais mettre ça en confidentialité. Je vais même plus... Tu sais, je vais commencer un peu à diminuer un peu avec toi. Je vais commencer à diminuer parce que à la fin, ça fait en fait honte. Mais parfois, il dit que je vais diminuer. Après, mon mamie ou me dit que non. Parfois, tu fais encore des erreurs, je sois encore, ils te bombarde. Je ne sais pas. Mais tu fais honte, en fait. J'ai ta photo là où tu me le cerveau à entre.

Je suis équipé, non. Bah, C'est la photo du cerveau, entre sans filtre. Papa qui a le ventre plat. Aïe, 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 Pardon, mais sœur, Cherchez la la, 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 la guerre. Vous envoyez à votre sœur, maman. C'est important. Je ne sais pas combien de grossesse elle a fait, mais il faut qu'on la tape le chaud, maman. Aïe, 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 aïe. My mama also, <laughs> <laughs> well, well, ma lẹ ta photo bɛ na gate. Ah, une photo que j'ai trouvée pour toi, maman. Et ton CFA, tu es. Ah, oui. J'ai trouvé la photo, si vous mettez tout ton visage sur ça. Ah, ouais, maman. On va la gaine. C'est la gaine de quoi? Ouais, ah, oui, c'est la... la gaine de quoi? Ah, ouais. Quand ça ne va plus, non. On va voir. Voilà ton, ta collègue. Ndiassak, <coughs> bah, je vais mettre ta photo sur ça. Je te réserve un bon montage. Je vais mettre ta photo sur ça. <laughs> ouais, Ndiassak. À vrai dire, tu me fais de la peine, hein. Mais bon, après, je ne peux pas avoir pitié de toi. Hein. Parce que toi, tu n'as pas eu pitié de moi quand tu as envoyé tes... tes agresseurs pour me bastonner et récupérer mes téléphones. Pourtant, je trouve quand même que tu aurais dû me contacter. Ou prendre ton billet d'avion et me demander de te donner mes téléphones. Je t'aurais donné. Mais juste le fait que tu entres en contact avec des personnes pour me tabasser et récupérer mes téléphones, ça. C'est vrai, les gens disaient qu'il n'y a pas eu mort d'homme. Mais j'ai été secoué, j'ai senti une peur. Et tu n'étais pas seulement arrêté là, tu sais, non Tu sais que tu n'étais pas seulement arrêté là pendant ensemble. Bref, je vais aller prendre ma douche, brosser mes dents et me reposer. Donc sur ce, je vais devoir prendre congé de vous. Vous souhaitez comme ça une très bonne soirée, très bon début de week-end, bon, enfin, euh, voilà, début de week-end, parce que je sais, vendredi, le week-end débute. Et on se dit euh, à demain. Mmh. Prenez bien soin de vous et rendez-vous en Dabi Coco. Parce que je vais entrer en Dabi Coco. Ça, je vous garantis. Maintenant, en ce qui concerne. Euh, les voisins d'en face, je ne vous ai pas oublié, mais laissez-moi un peu le temps de... Hmm? Laissez-moi un peu quelque temps, je ne vous ai pas oublié. Donc nos, nos collègues d'en face, à chacun son tour, à chacun son jour, dont je vais vous revenir plus tard, mes collègues d'en face. Pour l'heure, étoile Cribienne, nous sommes le 24. Dans quelques heures, le 25. Je démarre avec toi dimanche en soirée, étoile Cribienne. D'accord? Donc, dimanche sur Étoile Cribienne, je reviens sur toi. Voilà. Je reviens sur toi jusqu'au 13 juin. Donc, ça veut dire qu'à partir du 26, tu auras trois directs, voire trois ou deux directs par jour. Donc, du 26 jusqu'au 13, je suis sur Étoile Cribienne. Tu ne m'as pas dit que je n'étais pas profond. J'espère que pendant mon repos, pendant ton repos que je t'ai accordé, parce que c'est moi qui t'accorde le repos, tu as préparé ta défense. Parce que je reviens sur toi à partir du 26 jusqu'au 13 juin. Voilà, étoile crébienne. Tu vas me dire pourquoi est-ce que tu t'es venu entrer dans mon problème jusqu'à me condamner. Tu vas confirmer que je ne suis pas facile. Tu es Batanga, je suis Bassa. Les Batangas ne peuvent jamais mettre le dos des Bassa au sol. Est-ce que tu m'entends bien? Toi, la fille Batangala, tu ne peux jamais mettre mon dos au sol. Sauf si elle m'appelle Pangomaboa. Je vais te mettre le dos au sol à partir du 26. Le 26, c'est dimanche. Je vais aller au culte dimanche. Dès que je rentre du culte dans l'après-midi, je me repose. À partir de 16h ou 18h, je lance le live. Lundi, je lance. Mardi, je lance. Mercredi, je lance. Jeudi, je lance. Vendredi, je lance. Toute la semaine, là, jusqu'au 13 juin, je suis seulement sur toi. Donc, tu seras ma cible, ma seule cible, étoile chrébienne. Dans Yano. Voilà. Tu vas confirmer que chez nous, les bassins, ce n'est pas pour rien que qu'on mange le l'ombongo. De la même manière que la sombongo est noire, la C'est aussi comme ça que le cœur du bassin est noir comme le l'ombongo. Je vais te servir ça correctement et bien. Tu vas me montrer si on mange le fuminjim chez nous. Je dis que je vais te servir ça, toi, ma candidature de Je vais te servir le bavardage du 26 au 13 juin. Euh, ju après, je te laisse encore quelques temps de repos. Je redémarre encore. Sur ce, bonne soirée.